Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons voir le classement des attractions à sensations suite au sondage sur mon compte Instagram. Laissez-vous harner. Here we go! Comment faire ce classement sans parler de Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Cette attraction a fermé ses portes le 2 septembre 2019 pour une réhab bien longue pour ses fans. Un départ de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. Ses loopings, vrilles et inversions reviendront sous une nouvelle thématique spéciale Iron Man lors de l'ouverture du Land Marvel prévu à l'été 2022. Avengers! Commençons ce classement avec Big Thunder Mountain en 7ème position. Montez à bord du train le plus fou de l'Ouest. Plongez dans l'obscurité pour une épopée trépidante de type montagne russe. Une attraction à mi-chemin entre le calme et la tempête. En parlant de tempête, bouchez vos oreilles puisque vous longerez une voie bordée de dynamite qui explosera au fur et à mesure de votre passage. Parfait pour les débutants en recherche de sensations, placez-vous à l'arrière pour plus de vitesse. En 6ème position, Toy Soldier Parachute Drop. Votre mission, si vous l'acceptez, sautez en parachute du mât haut de 25 mètres. Réduit à la taille d'un jouet d'Andy, vous êtes recruté par le sergent de Toy Story. Ayez le cœur accroché, il ne va pas vous ménager. Lors de la dernière ascension, profitez d'un moment pour apprécier le panorama sur le Walt Disney Studio. Dernière descente et votre mission sera accomplie. Prêt ? Saisissez votre paquetage et engagez-vous ! Crush Coaster arrive à la 5ème place de ce classement. À moi ? À bord d'une carapace de tortue, découvrez les décors du monde de Nemo. Retenez votre souffle, vous allez être propulsé vers les profondeurs les plus sombres de l'océan. Évitez de justesse Bruce le requin et prenez le courant est australien. Des descentes à toute vitesse, des virages serrés, le tout à 360 degrés en permanence. Allez, impulsion ! Indiana Jones et le Temple du Péril en 4ème place. Découvrez le campement du beau et courageux professeur d'archéologie. Ce moment de calme est de courte durée car vous arrivez bientôt au temple. Embarquez à bord des wagons fous qui vous emmèneront à toute allure à travers des ruines mystérieuses. Équipez-vous de votre plus beau chapeau et de votre fouet pour partir à la recherche des membres de l'expédition disparus, des descentes, des virages serrés et pour finir, un beau looping. Yes, sir. La troisième position revient à Star Wars Hyperspace Mountain. Plongez dans le monde de Star Wars et préparez-vous mentalement à votre départ. Décollez à plus de 70 km/h et engagez-vous dans l'Alliance Rebelle. Des montagnes russes accompagnées de vrilles et d'un looping dans un décor galactique. Faites exploser un Star Destroyer avant de revenir sur Terre à la vitesse de la lumière. Que la force soit avec toi. En seconde position, The Hollywood Tower Hotel. Entrez dans un étrange hôtel laissé à l'abandon depuis le 31 octobre 1939. Prenez votre dernier ascenseur avant de plonger du haut du 13e étage dans la 4e dimension. Montez ou descendre, vous ne saurez plus où vous en êtes du haut de ces 40 mètres. Attention, ne criez pas trop fort. Il pourrait vous entendre. Le grand gagnant est RC Racer. Réduit à la taille d'un jouet, prenez place à bord de Karting, la voiture télécommandée de Toy Story. Élancez-vous sur le circuit en U, puis de plus en plus haut, vers le ciel, jusqu'à 25 mètres de haut. Êtes-vous prêt à vivre à votre tour ce que vous faisiez vivre à vos jouets ?
Ce classement est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous le souhaitez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un nouveau classement. Bisous !